win this war quickly. Dessen bin ich vollkommen sicher. We're going to do the right measures at the right time. Der Krieg wird gut drin. Und dann wird kam der Anruf. Wow, ich bin so lange. Se la voy a bailar sola porque no saben. ¡Ea! ¿De dónde eres tú? Yo soy de Francia. Tu país está tremendamente con la virus, ¿verdad? Sí. Terrible. Uh-huh. ¿Por qué no obedecieron como los chinos que les dijeron que estuvieran en su casa y ellos sí obedecieron y Francia no obedeció? No sé, pero ustedes, ¿y ustedes por qué no están en casa? Porque no están obedeciendo también. Porque es Es bueno, día. Al menos yo no, me aburro. Ah, exacto, es el único día que salimos. ¿Qué está pasando? Bueno, para nosotros la gente mayor es una distracción, lo último que tenemos en nuestra vida. Alors ici on est place de la Ciudadela, dans le centre de Mexico. Normalement, cette place le week-end, elle est remplie de gens. En fait, les gens se mettent sur leur 31 et viennent danser, des danses de salon, au son de la musique. Il y a des danseurs professionnels qui viennent, les gens s'assoient à des tables, ils y passent des heures. C'est vraiment un moyen, surtout pour les personnes du troisième âge, de braver leur solitude et se retrouver entre eux le week-end. C'est une tradition typique de Mexico. J'ai rencontré des personnes qui sont venues quand même honorer la tradition ici. Aujourd'hui, le danzón está caracterizado. ¿Cómo así que es un virus que entra en la sangre y jamás sale? Y se lo digo yo como testimonio vicio. Porque yo el danzón no lo puedo dejar. Los calzones abajo. ¿Cómo va a ser este danzón? Déjalos caer. Por eso no bailé bien, porque yo se me Voilà, je suis à Estación Central. C'est une des communes qui n'est pas concernée par le confinement. Donc nous allons suivre aujourd'hui des manifestants, c'est ceux qu'on appelle la première ligne, qui volontairement ont décidé d'aller nettoyer les stations de métro, les stations de bus, les bus aussi, pour éviter la propagation du virus. Dans les services de aseo, acá. Resulta que la gente más afectada es la gente que vive en comunas, porque resulta que la clase obrera es la que sigue trabajando para mantener este país. Mientras que los cuicos siguen en su casa, refugiados ante este gobierno. ¿Qué se puede ver? Mira. Alors, vous le reconnaissez peut-être, nous sommes en plein milieu du pont historique de Prague, le pont Charles. Ce qui le rend un peu méconnaissable en ce moment, c'est qu'il est quasiment vide. Il y avait jusqu'à 9 millions de visiteurs annuellement. Pour les amoureux de Prague, c'est un véritable bonheur que de pouvoir déambuler dans les rues sans se faire assaillir par des hordes de touristes. Alors, je suis toujours dans le centre historique de Prague et là, je vais aller à la rencontre de Monsieur Mestecki de l'initiative pour un logement supportable qui se bat pour les droits des habitants du centre, surtout ceux qui en ont marre que les touristes, par des services comme Airbnb, viennent jusque dans leurs immeubles, les empêchant de dormir et créant toutes sortes de problèmes. Pro váš život se něco změnilo? Jako, jaké byly ty problémy? Vyspím se, dostanu se do domu, nikdo na mě nezvoní, když nechci, nebo když nemá, necpou nám turisté klíče do cizích zámků a tak dále. Takže tím, že ustal tenhle ten biznis, tak samozřejmě se ten dům stal zase prostorem pro život, pro bydlení. Máme zde domov. Il est 6h30 du matin, il fait encore nuit à Mexico et je suis en plein centre de la ville sur le Zocalo, la place principale. Alors derrière moi, il y a le Palacio Nacional. Pourquoi je suis là? Parce qu'à 7h du matin, le président Andrés Manuel López Obrador fait tous les matins une conférence de presse qui dure 1 à 2 heures. Voilà, ça y est, je suis rentrée dans
la salle de la conférence de presse, donc le président mexicain Andrés Manuel López Obrador donne tous les jours à 7h pile du matin depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Alors ça peut durer parfois une heure, parfois deux. Alors ce président, c'est un personnage, d'ailleurs il a créé pas mal de polémiques depuis l'arrivée du coronavirus ici, parce qu'en fait il a confié la gestion sérieuse de la crise aux autorités sanitaires qui ont dit aux gens de ne pas se serrer la main, ont appliqué des gestes de barrière, on leur ont demandé de rester chez eux et tout ça. Et le truc, c'est que le président Andrés Manuel López Obrador, lui, il a complètement pollué ce discours de ses propres autorités sanitaires en faisant tout l'inverse. Au début, il refusait de mettre du gel hydroalcoolique. Ensuite, il a encouragé les gens à continuer à se faire des accolades. Alors, à ce même pupitre, il a même un jour montré des amulettes religieuses, et il a expliqué que c'était des amulettes qui allaient le protéger du coronavirus. Alors voilà, aujourd'hui on a vu un président beaucoup plus sobre que ce que j'ai pu vous raconter des semaines passées. Après, c'est aussi un président qui n'a toujours annoncé aucune mesure exceptionnelle pour l'économie, pour les travailleurs, pour les employeurs. Le pari en fait du président Andrés Manuel López Obrador, c'est que ses politiques sociales habituelles, qui sont à destination des jeunes et des plus âgés, vont être suffisantes pour absorber cet immense choc économique qui arrive. Ici dans le Raval, un quartier populaire qui est à quelques minutes de la Rambla, le syndicat des marchands ambulants qui défend les droits des vendeurs à la sauvette et la marque Top Manta se sont mobilisés pour confectionner des équipements de protection tels que des masques et des blouses médicales. Merci à tous pour être ici. Merci. Assalamu alaikum. Me llamo Dauda, tengo 37 años, soy de Senegal y soy el presidente del Sindicato Popular Vendedores Ambulantes de Barcelona. Que de momento como que estamos en cuarentena, no podemos trabajar ni nada, tenemos tiempo libre y hacemos colaboración para poder ayudar a los ciudadanos que necesitan esos materiales. Ellos, todos los que vienen aquí, vienen con su corazón para poder ayudar, pero no vienen para trabajar ni para cobrar nada. Dans le même temps, une opération de collecte est organisée par le syndicat pour ces vendeurs de rue qui, de fait, se trouvent dans cette période de confinement sans ressources. 300 familles ont bénéficié de cette collecte jusqu'à présent. Salam, salut à tous. On se retrouve pour un nouveau numéro à partir d'Alger, la capitale, où les mesures de confinement ont été durcies. La première semaine, on avait vécu un couvre-feu obligatoire de 19h à 7h du matin. Et depuis ce début de semaine, ici en Algérie et dans plus de 40 villes du pays, les plus touchées d'ailleurs par le coronavirus, une nouvelle mesure a été adoptée par le gouvernement. C'est un confinement obligatoire et un couvre-feu de 15h à 7h du matin, sauf exception évidemment. Alors la petite nouveauté en ce début de semaine, c'est le retour des poissonniers après quelques jours de fermeture, plus d'une semaine. Ils sont de retour avec du poisson frais. Alors ça, c'est suite à la mesure prise par le gouvernement. C'est du poisson frais, Yahé. Poisson frais. Donc vous êtes content, les Oulé Toudouka? Frach Toudouka qui Oulé Toudouka. Bien sûr. Frach Toudouka. Ah, ok, va. Je suis au Mercado San Juan, donc c'est dans le centre de Mexico. C'est un marché qui est aussi actif que d'habitude ou presque. À côté aussi pas mal de petits commerces comme ce vendeur de légumes qui est derrière moi qui continue à travailler. En fait, il faut savoir qu'au Mexique, c'est 56% de la population qui travaille de manière informelle. Alors soit donc des vendeurs au jour le jour comme on peut voir ici, soit des personnes qui sont employées dans le secteur formel mais qui n'ont pas les garanties nécessaires, qui n'ont pas par exemple de couverture médicale. Tenemos que trabajar diario porque para mantener a nuestras familias porque no tenemos otro ingreso, pues de lo que trabajamos de aquí es lo que vamos sacando día a día para ir comiendo. Si le tengo miedo al virus, o se mueren mis hijos de hambre o se mueren del virus. De una u otra cosa nos vamos a morir. Entonces, pues, prefiero morir luchando, ¿no? En otros países de primer mundo,
los mismos gobiernos están dando apoyo económico. Aquí nadie te da apoyo económico, aquí nadie te regala nada. Alors, le gouvernement est conscient du fait que la moitié de sa population active travaille dans le secteur informel et donc du coup va avoir du mal à rentrer chez elle et à ne pas travailler puisqu'elle ne percevra pas d'argent. Donc, ils ont décrété un confinement volontaire, c'est-à-dire qu'on est censé rester chez nous, mais il n'y a pas de sanctions et personne ne cherche à faire respecter ce confinement.